Salut. Bienvenue sur le soleil de Gigorat. En ce lundi de Pâques 13 avril, une question se pose, c'est y a-t-il un rapport entre le soleil et le coronavirus? Eh bien oui, c'est 666. Donc le nombre de la bête, mais aussi un nombre d'hommes, hein, donc dans l'apocalypse de Jean, et puis aussi d'après René Guénon, un nombre solaire. Enfin, on va voir pourquoi. Alors, par exemple, pour commencer, ça c'est pas moi qui l'ai trouvé, ça. La valeur des 6 lettres du mot corona, qu'on les additionne, est bien présentée ainsi, ça se lit 666. Donc c'est inclus dans le programme, en fait. Hein. C'est même pas que c'est dans l'air du temps, c'est que c'est le message du 666 apocalyptique, bah, il est inscrit, inclus dans le coronavirus. Ou alors c'est comme si la prophétie de l'apocalypse de Jean aboutissait et se concrétisait, se matérialisait à travers le coronavirus, entre autres. Hein. Mais là, pour le coup, la signature est là. Alors c'est quoi le 666? Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans dans le corona? Le nombre de la bête, c'est la bête en l'homme, hein, la bête dans l'humain, la bête en nous, aux deux sens du terme, donc bête au sens ignorant, fallacieux, irrationnel, mal orienté, erroné, mais bête aussi au sens bestial, animal, primal, pulsionnel, ainsi de suite. Et donc ça recouvre aussi toute la dimension émotive, émotionnelle de l'être humain, puisque on partage ça avec les animaux, entre autres. Et donc en particulier dans cette émotivité, eh bien les émotions considérées négatives, hein, de tristesse, colère et peur, qui sont le réservoir psychique, pour le coup, méconnu ou mal connu, enfin que nous connaissons mal, le réservoir psychique dans lequel puise la matrice et le démiurge pour bâtir et maintenir son monde et sa prison sociale. En gros, c'est ça. Ça repose là-dessus. Et c'est tout ce que tout ce qui est inaccompli, en gros, hein, comme le dit Annick de Souzenel, l'inaccompli dans l'homme, c'est cette part sombre, occultée, oubliée ou refoulée, et qui est utilisée à notre dépens pour nous faire agir dans un sens qui n'a pas de sens, en fait, qui est absurde, qui est terminé, qui est à métaboliser de l'état bestial à l'état humain. Encore une fois, en accomplissant ce potentiel et ce réservoir de force, d'énergie, de carburant, de ressources, à base d'émotions oubliées et méconnues. Mais comme aussi, du reste, voilà, c'est le troisième aspect que recouvre le triple 6, ça désigne aussi toute la polarité yin, le pôle yin de l'existence, enfin la part féminine de la psyché humaine, toute la partie féminine qui a été occultée, pour le coup refoulée, oppressée par le patriarcat, puis par la culture occidentale depuis 5 à 6 000 ans. Et c'est pour ça qu'on a un coronavirus qui nous frappe et qui nous oblige à nous confiner. Parce que pendant ce temps, il se trouve que depuis, effectivement, que nous sommes confinés, l'activité sismique de la Terre a beaucoup diminué. Elle s'est beaucoup réduite. Ce qui veut dire que ça fait du bien, quoi, hein, de retourner un peu sur soi pour faire un petit point, un petit bilan. Alors, le triple 6, son sens, il est là, tu vois. Le 6, niveau graphique, évidemment, le signe même induit une dynamique de retour. De retour sur soi, ou de plonger en soi, d'accord, c'est le sens profond, ésotérique, hein, de la pénitence, de la conversion, c'est la métanoïa, chez les Grecs, qui permet, qui conditionne pour le coup, qui active, qui actualise l'œuvre noire, la révélation, et puis qui permet le passage du coup ensuite à l'œuvre blanc, de rédemption. Ça, on va y revenir vite fait. Alors, le 6, bon, ça c'est un peu moins connu, mais alors il se trouve, pour le coup, hein, dans le texte hébraïque de la Genèse, le 6 est contenu, mais dès l'origine, le premier mot du premier verset, du premier chapitre. Bereshit, qui veut dire, qui se traduit au commencement ou dans le principe.
Mais dans le Zohar, le livre du secret qui fait partie du Zohar, Bereshit se vocalise Brachit, Barachit. Ce qui veut dire il créa 6. Le premier mot, c'est pas la création de l'unité ou de la dualité ou de la trinité ni de la quaternité, ni même le septénaire, mais c'est le 6, le sénaire. Donc ça c'est Abellio hein, qui a remarqué cela dans la structure absolue, puisque bien évidemment cela confirme et cela valide son constat de la phénoménologie transcendantale, qui est que la structure universelle de tout acte de conscience, de toute genèse, qu'elle soit micro, subatomique ou macro, cosmique, eh bien elle suit, elle répond, elle est selon un ordre à 6 parties ou 6 temps, 6 marques. C'est le symbolisme de la croix. Et c'est présenté ainsi par Abellio. Hein. J'en ai un peu également parlé, j'ai repris ce schéma dans dans la partie sur la gnose, hein, dans Apocalypse et Transmutation de l'Occident. Mais c'est donc ce modèle de la sphère absolue, la sphère sénère, qui répond à une logique à six temps et à 6 étapes, enfin qui sont successives en apparence, mais simultanées en réalité. Hein. Donc c'est un phénomène de dialectique. Initiatique ou transcendantale, donc dans le rapport qui évolue en proportion, dans le rapport entre un sujet et un objet, qui s'intègrent l'un l'autre et se répondent et se correspondent en mode de rotation, d'aller-retour en accélération constante, qui finissent par du coup entraîner l'émergence d'un axe vertical, ascendant et descendant, le long duquel s'ordonne et se métabolise et se synthétise en termes de qualité pure, hein, d'intensité et d'ampleur, eh bien les qualités respectives du sujet et de l'objet dont il a pris conscience. Donc ça, c'est un phénomène, c'est un process opératif, métabolique, gnostique, qui est valable à toutes les échelles de l'existence. Donc pourquoi 666? Bien parce que c'est une modélisation, le coup, de l'introversion. Il n'est que de le dessiner. Tu dessines 3, 6 l'un sur l'autre, par exemple comme ça, hein. Ça produit évidemment un mouvement, encore une fois, de rotation, d'accord? Et puis si pour le coup, si tu t'amuses à tracer un 6 et un autre en inversion complète, on obtient un 9, mais un 9. En fait, ça va, c'est l'œuf de Pâques. Alors, avant la Pâques, il y a un rite baptismal, mais important, hein, qui a lieu. Donc ça, c'est l'épisode qui est raconté dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Cet épisode, c'est le lavement des pieds. Donc baptismal, puisque c'est bien évidemment comme le baptême d'eau, c'est un rite de purification, qui est bien l'objet de l'œuvre noire et de la révélation à soi-même. Hein. C'est d'y mettre la conscience pour que la lumière descende et éclaircisse et ordonne un peu tout ce bordel et ce chaos méconnu, inaccompli, pour permettre sa réalisation, son accomplissement. Donc dans cet épisode de l'évangile de Jean, ils sont à table, et Jésus-Christ se lève de table pour aller laver les pieds de ses disciples. Alors disant, bon, voilà, hein, t'as vu, je suis votre Seigneur et Maître, et puis pourtant, je vous lave les pieds. Donc voilà, hein, à partir de maintenant, vous aurez plus qu'à faire pareil, et ça vous fera du bien, et puis ça donnera l'exemple, tiens. Donc il y a un premier aspect qui s'impose ici, évidemment, qui est l'humilité, hein, l'abnégation ou la soumission, mais au sens noble, hein, de l'obédience, l'islam, ou de l'allégeance. C'est-à-dire aussi donc il implique la confiance qu'il faut pour se mettre par terre devant quelqu'un et lui laver les pieds. C'est-à-dire l'organe, hein, qui nous lie au sol, à la terre, à la matière et donc à tout ce qui est en bas, sombre, humide et inaccompli. Donc c'est-à-dire évidemment nos racines, ainsi que le fumier dans lequel nos racines sont plantées et dont elles se nourrissent, c'est-à-dire toute cette part animale, féminine, refoulée, inaccomplie. C'est ça l'objet de la Pâque. C'est ce ferment, cet engrais, ce terreau qui est à mettre en œuvre.
On parle d'ailleurs de la plante, hein, des pieds. Si c'est une plante, c'est bien qu'il y a aussi des racines quelque part. Et sous la voûte plantaire, hein, du reste, aboutissent bah, les méridiens, hein, des principaux organes du corps. Donc c'est ça aussi le lavement des pieds. D'accord? C'est une prise en compte bah, de tous nos liens à la terre, de tout ce qui nous relie à la matière et comment on est relié bah, à la matière, à la subsistance, la substance, donc la nourriture, l'argent, la consommation. Une mise à jour de nos rapports avec la terre, avec la matière, avec la nature, avec tout ce qui nous nourrit. Alors, aspect maternel, mais aussi édificateur, j'ai envie de dire. Ça va avec. Parce que si la mère, elle te nourrit, elle te donne force, confiance et assurance, enfin, elle te donne la puissance en fait. Mais c'est dans un but bon de connaissance, hein. C'est pas pour faire le con avec et puis écraser les autres. Et puis d'ailleurs retourner cette puissance contre d'ailleurs hein, la source même d'où tu l'as reçue. C'est en l'occurrence ben, en détruisant la terre qui nous a nourris et portés jusqu'alors. Ça va pas être possible encore très longtemps. C'est la Vierge Marie, Marie Reine du Ciel, notre mère à tous. Pourquoi elle est dite vierge? Mais bon, bah, petit point étymologique rapide de Jean Marcal dans L'Amour courtois, qui nous rappelle que le latin virgo, jeune fille, ou femme non mariée, femme libre, donc c'est la même racine que le celtique vraki, hein, qui a dérivé entre autres dans le gaulois virago, adapté tel quel en latin et utilisé en français depuis aussi, pour désigner bah, une caricature hein, de femme libre et seule, c'est-à-dire caractérielle et historique, c'est-à-dire en fait indomptable et indomptée. La racine européenne commune de vierge et de virago aussi, c'est vreg, qui veut dire alors enfermé. Être vierge, c'est d'abord aussi être fermé sur soi en protection ou en contention. La virginité comme cocon, une coquille qui n'est pas encore ouverte et dont la perle demeure cachée. Et puis le Wiktionnaire, de son côté, donne comme origine du mot vierge le mot vargue, force, vigueur, ce qui complète bien ce qui précède. Hein. Enfin, en grec, la racine vergue, vargue a donné ergon, l'action, energeia, l'énergie, orgion, la cérémonie, organon, l'organe ou l'instrument. Et en latin, elle se retrouve dans la racine vir, vir, virtu, virtu, la virilité, la vertu, avec les mêmes idées du coup, force et de puissance en action. Donc c'est bien ça qui est en jeu, immobilisé par Jésus-Christ dans ce passage du lavement des pieds. Pourquoi? Parce que avant de laver les pieds de ses disciples, alors, il se ceint les reins avec un linge. Il prend un linge et il se l'attache autour des reins comme une ceinture. Et c'est aussi encore ça une façon d'accomplir la loi, comme il le dit plusieurs fois. Alors, en l'occurrence, c'est dans le livre de Job, chapitre 38, versets 1 à 4. L'Éternel, Jéhovah, répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ceins tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Puisque du coup, hein, le fait de se ceindre les reins bah, désigne un processus alchimique, gnostique et opératif. En termes de métabolisme subtil, les reins, dans le corps, hein, marient le feu et l'eau, mais dans un même objectif toujours de purification. La ligne de Souzenel, hein, dans le symbolisme du corps humain, nous dit que le rôle essentiel des reins est de filtrer le sang, d'en extraire les excès en eau, en sels minéraux, en glucose, et de renvoyer au sang les éléments purifiés dont il a besoin. Donc essentiellement filtre au niveau du sang. Le rein est homologue du pied qui, lui, filtre les informations de la terre. Et en tant que germe fœtus, les informations perçues à travers l'eau amniotique. C'est-à-dire que le fœtus, tant qu'il est dans l'eau matricielle, c'est à travers les reins qui perçoit l'essentiel des informations du corps, et bien, qui sont du coup filtrées par les reins. Le rein est aussi homologue du coup de l'oreille, hein, le pied en bas, mais aussi l'oreille en haut, puis aussi cette fonction d'écoute. L'oreille, elle écoute les sons, donc on peut dire qu'elle filtre l'air. Elle reçoit des infos par l'air et en leur retient certains qui sont des sons intéressants et utiles. Le reste, ça passe à l'os. Donc les pieds écoutent la terre. Les pieds écoutent la terre. Les reins écoutent l'éros ou l'énergie sexuelle à travers les glandes surrénales hein, qui sécrètent les hormones sexuelles.
Et c'est pourquoi d'ailleurs il est dit aussi que Dieu, l'omniscient, il sonde les reins et les cœurs. Double connexion à ces énergies pulsantes hein, qui nous pénètrent par en bas ou par en haut et qui sont à métaboliser, intégrer pour pouvoir les restituer de manière optimale. Cette respiration donc, génitale, sexuelle ou par en bas qui passe par les reins répond bah, du coup l'écoute ou la respiration qui est pulmonaire, l'écoute de l'air par le haut. Donc Pâques, on se lave les pieds. Et on repense un peu à notre origine naturelle, biophysique, élémentaire, terrestre et terrienne. Alors par exemple, hein, quand il évoque cette force maternelle suprême, donc à la fois immanente et transcendante, Drainvalo-Melchisédek dans l'ancien secret de la fleur de vie en 2001, insiste sur l'idée, lui encore une fois, de racine. Considérant que nous avons un soi supérieur, l'esprit, identifié à Dieu, genre le Père, qui est tout ce qui est, comme disait Jéhovah, je suis qui je suis, hein, hier, hachère, hier, par le haut et puis par en bas, un soi racine, donc esprit aussi, mais identifié cette fois plutôt comme la déité, hein, la force pure en mode féminin, genre la mère, ou le Saint-Esprit, la Shekinah, la Shakti. Donc notre mère, la Terre, comme il dit. Et donc c'est un peu aussi comme un subconscient global, un subconscient, notre subconscient, du coup, qui comprend chaque individu sur Terre, chaque être humain, chaque animal, chaque plante, chaque pierre, chaque goutte d'eau et chaque rayon de soleil, hein, de manière fractale et simultanée. Notre soi racine connaît la vie entière sur la planète, la biosphère tout entière, c'est notre mère, la Terre elle-même. Qui poursuit en se demandant si la Lune fait partie du soi racine, ce qui semble aller de soi, oui, puisqu'elle est polarisée yin-féminine. Drainvalo ajoute que d'après les Kaunas des îles Hawaï, mais aussi dans beaucoup de traditions orales dites autochtones, la Terre est présentée comme une petite fille hein, de 2 à 6 ans, selon la façon dont on s'adresse à elle, mais elle se présente toujours sous la forme d'un jeune enfant, car la Terre est encore un enfant. Manière aussi de dire que notre mère, la Terre, aime les enfants, et que dès que notre nature d'enfant et notre innocence émergent un peu des eaux troubles de notre condition d'adulte, alors c'est bon, c'est résurrectionnel, c'est régénérant. C'est un nouveau départ, tu vois. C'est un peu ça aussi, Pâques. Soyez comme des petits enfants. Les pieds bien ancrés, hein, enracinés en terre, et puis la tête en l'air vers le ciel. Puisqu'il est question, du coup, dans l'Apocalypse de Jean, d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Ivanov disait qu'un nouveau ciel, cela veut dire des idées nouvelles, une compréhension, une appréhension, une philosophie nouvelle. Et une nouvelle terre, ça signifie des attitudes nouvelles, des comportements nouveaux. Donc le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est une autre façon de penser, de vivre et de faire. Le ciel, c'est la tête, la terre, c'est les pieds. Et les pieds, c'est ce qui marche d'après la tête, parce que les pieds vont là où la tête a décidé qu'ils iraient. Donc c'est la marche, la conduite, la façon d'agir qui change grâce au changement de tête, c'est-à-dire les nouvelles idées. L'état de conscience gnostique et christique en voie d'émergence dans le monde. La Pâque hébraïque, c'est Pessah. La sortie d'Égypte, quand les Hébreux, sous la conduite de Moïse, s'échappent de l'esclavage et de l'asservissement infantile, on va dire, préadolescent. La Pâque chrétienne, c'est la passion et la crucifixion de Jésus-Christ, qui précède sa résurrection. La passion, donc, ça équivaut à la rédemption, hein, à l'œuvre au blanc, le sacrifice. Le don de soi, l'offrande totale de soi pour racheter les erreurs et les souffrances de ce monde. C'est ce sacrifice qui conditionne l'œuvre rouge de résurrection, c'est-à-dire la nouvelle naissance, seconde naissance, quand les motivations anciennes et subconscientes et aliénantes ont été transmutées dans une liberté, une cohésion, une force et une sérénité inédite, hein, toute neuve. Donc c'est le sens du don, pour le coup, pas le sens anthropologique, social, auquel les universitaires, par définition, ne pouvaient rien comprendre. Le sens profond gnostique du don du sacrifice, donc l'enjeu de la Pâque et de l'œuvre au blanc, il a été bien décrit, par exemple, hein, par Charles Champetier dans Homo Consumens, en disant que le don est une cause aux effets surabondants. Petite cause, grands effets. Le don est un acte libre, d'accord, spontané, qui produit une contrainte chez le donateur. Enfin, ou plutôt un défi, une provocation, une invitation
à faire un don plus fort, plus grand, plus beau. Logique du don et du contre-don, d'accord? Car l'originalité de l'obligation de retour ressentie dès la réception du don réside dans le fait qu'elle ne renvoie ni au calcul, ni à l'intérêt, logique de l'échange, ni au pur mimétisme, au sens de René Girard. Elle ignore la proportion et la mesure, ou plutôt, elle prend la mesure du don pour faire une offrande en réponse proportionnée. De même, le geste fondateur de la trilogie « donner, recevoir, rendre » n'est pas accompli en vue du cycle qu'il initie. Il veut, indépendamment de la possibilité d'une restitution, provoquer le plaisir, l'admiration, la gratitude, l'hommage, le respect, ainsi de suite. Provoquer, c'est-à-dire faire advenir ce qui est, faire naître quelque chose. Le don est en cela semblable au jeu. Nul n'est formellement tenu d'en respecter les règles, mais tout le monde le fait. Et en effet, remarquez Guénon, dans tous les cas, le jeu diffère du travail, en ce qu'il est une activité spontanée qui n'est due à aucun besoin et n'implique aucun effort, ce qui convient aussi parfaitement que possible à l'activité divine. Les jeux avaient à l'origine un caractère rituel et sacré. Enfin, le prototype symbolique de cette conception se trouve dans le mouvement du feu ou de la lumière. Le jeu d'une flamme ou d'une lumière vibrante est un symbole adéquat de la manifestation de l'esprit. We're walking in the air. We're floating in the moonlit sky. The people far below are sleeping as we fly. Floating by.